Donc, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du conseil municipal en ce mardi 11 avril 2023 à 19h au bâtiment de service du parc des Saphirs. Donc, considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en vigueur au Québec, en présence de M. Simon Saint-Hilaire, conseiller du district 1, M. Guillaume Plamondon, conseiller du district 2, M. Dominique Morin, conseiller du district 3, M. Mathieu Thomassin, conseiller du district 4, M. Charles Morissette, conseiller du district 5, en l'absence de Mme Michèle Dufresne, conseillère du district 6, formant quorum sous la présidence de la mairesse Mme France Fortier, en présence du directeur général M. Marc Prou et de la conseillère juridique aux affaires municipales et greffières, Maître Kim Fortin. Madame la mairesse. Oui, je demande l'ouverture de la séance. Pour. 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 Je suis pour. Je demande aussi l'adoption de l'ordre du jour. Pour. 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 Je suis pour. Merci. Donc, je souhaite la bienvenue à... Si vous me permettez, Madame la mairesse, donc sur la proposition de la mairesse, Madame France Fortier, il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté ci-dessous. Disposition préliminaire 1, ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. Suivi. 3, mot du conseil municipal. Dépôt numéro 4, dépôt du certificat du résultat de la procédure d'enregistrement concernant le règlement 940-23. Quant aux finances, numéro 5, adoption des comptes d'avril 2023. 6, autorisation de travaux, réfection ponctuelle sur l'avenue Sainte-Brigitte-Nord. 7, autorisation de paiement pour le transport de neige. Greffe. 8, adoption du procès-verbal de la séance du 21 mars 2023. 9, demande au ministère de la Culture et des Communications concernant les bâtiments patrimoniaux. Approvisionnement. 10, adjudication de contrat concernant l'achat de matériel informatique INV 2023-05. 11, adjudication de contrat débroussaillage de fossés INV 2023-04. 12, adjudication de contrat achat de matériaux granulaires SBDL 2023-05. 13, adjudication de contrat, nettoyage, égout, regard, puiseur, SBDL 2023-06. Quant au règlement numéro 14, adoption du règlement 943-23 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. Numéro 15, adoption du règlement 944-23 relatif à la régie interne des comités. Au niveau des loisirs, numéro 16, adoption de la nouvelle politique définissant les critères d'admissibilité au programme d'aide à la communauté. 17, appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2023-2024. 18, autorisation de création de mise sur pied d'un comité de suivi du plan d'action de la politique famille aînée. 19, modification à la résolution numéro 106-03-2023 portant sur une demande d'assistance financière pour le projet de balado-diffusion de la Société d'histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval. Quant à l'urbanisme, point 20, demande d'exemption de cases de stationnement pour le 418 avenue Sainte-Brigitte. Au niveau de la sécurité publique, le point 21, reconduction de l'entente avec l'École nationale des pompiers du Québec. Au niveau des ressources humaines, point 22, confirmation d'adhésion à la solution des regroupements d'assurance collective de l'UMQ, regroupement Québec, Beauce, Portneuf, Mauricie, Laurentide, Outaouais. 23, renouvellement de la tarification du régime d'assurance collective des pompiers à temps partiel pour 2023-2024. Et 24, embauche de 5 responsables pour le programme de 40 jours de l'été 2023. Il y aura ensuite la période des questions et la levée de la séance. Merci. Donc, au point 3, je souhaite la bienvenue à tout le monde qui sont ici en présentiel, ainsi qu'à tous ceux qui nous écoutent par la voie de diffusion. Merci d'être avec nous. Je vous souhaite une bonne séance. Merci à tout le monde ici présent en séance et aussi en web diffusion. J'espère que le week-end pascal a été à la hauteur de vos attentes et que vous n'avez pas trop mangé de poule en chocolat. En parlant de poule, il y a des nids de poule. C'est la période de dégel, donc soyez prudents. Puis n'oubliez pas l'application Voilà pour pouvoir aller les notifier, pour pouvoir faire la réparation immédiate. Ça, c'est super important. Un bon canal de communication pour pouvoir les signaler à nos travaux publics. Il y a aussi l'offre d'emploi pour les opérateurs et les surveillants des plateaux sportifs. Allez-y, c'est un bel petit job pour l'été. Vous allez pouvoir avoir beaucoup de plaisir à aider les jeunes à pratiquer leur sport favori. Bonne séance à tous. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Je voulais juste faire un petit mot de sensibilisation aujourd'hui au niveau de la sécurité routière. On sait qu'actuellement, nos jeunes ont décidé de ressortir des maisons avec leur vélo, avec leur patin roue aligné, leur skate et tout ça. Ralentissons dans les secteurs résidentiels. Assurons, je veux pas faire de morale à personne, mais les stops, on les respecte. On respecte la limite de vitesse. S'il vous plaît, on est tous ensemble là-dedans. On protège nos enfants également. Bonne séance.
Bien, bonsoir à tous ceux qui sont présents dans la salle. Bonsoir à ceux qui nous écoutent également par la web diffusion. Je pense que d'une façon ou d'une autre, vous témoignez de votre intérêt à participer à votre façon aux affaires publiques de notre ville. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est important. On pose souvent la question comment on fait pour intéresser les gens au local, à la politique locale puis aux affaires locales dans une ville où il y a un mensuel, mais il n'y a pas, c'est difficile de suivre un peu ce qui se passe. Fait que vous le faites. Il y a des communications également qui sont faites par la ville. Mais moi, je vous implore de continuer à vous intéresser à ce qui se passe ici, des enjeux stratégiques importants, des choses qui tardent encore à arriver, mais soyez aux aguets. Je pense que ça témoigne de votre intérêt pour ça. Donc, je vous en félicite, je vous en remercie. Posez des questions, puis n'hésitez pas à faire part de vos points de vue. Bien, bonjour tout le monde. Désolé d'avoir manqué la dernière séance par obligation professionnelle. Mon mot va être un petit peu plus long aujourd'hui parce que je vais reprendre un peu des choses que j'ai dit sur les réseaux sociaux. Bien, premièrement, toujours un petit peu des fois d'actualité municipale. C'est en regardant un petit peu des fois ailleurs qu'on réussit des fois peut-être à améliorer les choses en place ici. Bien, on va en faire part. Plan d'urgence, verglas à Montréal, vous l'avez vu, hein? On a eu justement une épopée comme ça, nous autres, qui nous rappelle les fêtes aux alentours de décembre. Prenez note que, bien entendu, on est encore là-dedans. On va continuer d'aller de l'avant, mais quand même, on n'habite pas à la porte, hélas. La nature, vous savez comment c'est, le réseau d'hydro, mais c'est sûr quelque chose qu'on va travailler de notre côté. Actualité municipale, de nombreux RPA qui ferment présentement. Souvent, on a véhiculé ici, présentement, du conseil, c'est important nos jeunes, c'est important notre communauté, nos citoyens professionnels, non seulement aussi la population qui prend un petit peu d'âge présentement. Il ne faut pas oublier qu'au travers des nouvelles, on voyait vraiment aussi que les fermetures suscitaient des craintes chez les aînés. Donc, justement, je pense qu'il faut vraiment avoir une vision, il faut y penser. Souvent, on remet en place encore le plan d'urbanisme. Non seulement, c'est peut-être pas juste sincèrement avec des RPA que ça se passe, mais peut-être vraiment avec une concrétisation un peu plus réaliste de notre noyau villageois, justement, qui doit répondre à tous les citoyens que je mentionnais tantôt. On n'oublie pas qu'il va y avoir des fonds aussi pour accélérer la construction des logements qui vont être lancés en 2023. Ça va être des incitatifs, bien entendu, aux administrations municipales locales pour accroître l'offre de logements un peu partout au Canada. Donc, on aura sans doute la chance de s'en parler. Et quand on s'inspire des fois d'autres villes ailleurs aussi, ben c'est pas nécessairement de dénaturiser l'endroit. Sherbrooke veut permettre l'ajout d'un logement additionnel à une habitation familiale. Donc, voilà des fois des orientations qui méritent des discussions sur lesquelles on peut justement donner des orientations en tant qu'élu et travailler aussi conjointement avec l'administration. Je ne vous cacherai pas que tout ça, bien, veut pas, des fois, ça amène une source de revenus, une diversification. Je vous l'ai dit, l'hiver, il y en a qui m'ont challengé sur les réseaux sociaux, c'est un hiver qui a coûté cher. Différentes études mentionnaient qu'en 2023, ça va être 35 % d'augmentation au niveau des différents travaux publics, un peu dans tout, là, si vous voulez qu'on aille un peu plus en détail là, dans cette chose-là, je vous guiderai sur le site web, justement, de l'organisme municipal qui le fait. On ne se cachera pas que l'avenue Sainte-Brigitte a le besoin d'aide encore une fois. Ce n'est pas avant 2024. Les rues, il faut remettre un peu d'amour là-dedans parce que ce n'est pas nécessairement qu'on les refait. Fait que c'est là qu'il devient intéressant d'avoir justement une vision de revenus de diversification. Le plan d'urbanisme en tant que tel, on en a parlé à quelques reprises. Vous l'avez vu aussi dans les nouvelles. La mode est à bien faire puis pas nécessairement s'étaler partout. Donc, surtout avec le slogan qu'on a ici, là, une vie au rythme de la nature. On ne veut pas nécessairement, en tout cas, je ne veux pas nécessairement dénaturiser non plus l'endroit dans les décisions que je vais peut-être influencer à prendre dans le futur. C'est bien ce qui est marqué sur le papier, mais il faut répondre aux besoins de Sainte-Brigitte de Laval au complet. Fait qu'on n'oublie pas au travers de tout ça la consultation, la transparence citoyenne, le respect des propriétés citoyennes. Hélas, on n'a pas 20 terrains municipaux sur lesquels on va vouloir faire de grands projets. Fait qu'il faut quand même avoir un respect à ce niveau-là. Il faut travailler avec l'équipe d'admin qui est en place, puis la vision aussi, puis le respect du plan 2030 est important de mon côté. Vous allez voir les nouvelles. Bon, on a encore fait les nouvelles ce soir. Je vous laisse faire un petit peu la recherche de Google. Bon, au moins, il y a une bonne vigilance côté des finances qui se fait là. Et je ne cacherai pas que si vous voulez vous impliquer, d'ailleurs, merci aux gens qui sont là aujourd'hui, très important. Des fois, je fais mon petit message sur les réseaux sociaux. J'ai peu de likes quand c'est juste le partage des annonces du conseil municipal, mais on réagit un petit peu plus des fois aux nouvelles différentes. Mais bon, ça fait partie de la game. Mais sinon, si vous voulez aussi vous impliquer encore plus, le CCU est à la recherche
d'un candidat de plus. Vous avez jusqu'à la fin avril pour vous inscrire. Si vous êtes un résident, si vous avez un minimum de connaissances dans les domaines d'architecture, de l'urbanisme, d'aménagement du territoire, du patrimoine, je vous le dis, là, un minimum. La passion, là, des fois, ça vaut plus que le minimum. Bien, n'hésitez pas à aller voir tout simplement sur le site où on a annoncé ça. C'est un poste que vous allez avoir la chance de travailler avec Charles aussi. Voilà, merci. Bien, justement, je voulais vous en parler, là, le préambule. Désolé, Charles, je ne vais pas te couper. Non, c'est correct. C'est correct. Et puis, justement, faire en lien tout ce qui est côté architecture, développement, logistique, vision d'avenir, bien, au CCU, Comité consultatif d'urbanisme, vous aurez l'occasion de vous prononcer comme citoyen. Hein. C'est un comité consultatif citoyen en urbanisme. C'est un outil qui est donné par le gouvernement aux villes. C'est pour justement que c'est un outil qui appartient aux citoyens de dire qu'ils sont pour ou contre ce développement-là. Puis c'est une belle équipe, c'est une belle gang. Je vous encourage fortement, si vous en avez de l'intérêt, à donner votre candidature. Si vous ne savez pas trop où vous diriger, vous pouvez m'écrire, venir me voir, ça va me faire plaisir, ou même me téléphoner. Ensuite de ça, fait que c'était mon message concernant le CCU. Je vous le dis encore, vous avez un véritable impact sur le développement de notre ville dans le CCU. Autre chose, ben, vous avez été quand même nombreux à m'interpeller concernant la sécurité dans le district 5, évidemment. Il fait beau, les jeunes commencent à sortir à vélo, les bancs de neige sont hauts. Il y en a d'autres qui en ont parlé, comme Guillaume tout à l'heure. Il faut vraiment lever le pied parce que là, c'est pas mal une saison dangereuse pour nos tout-petits qui sortent de partout. Il fait beau puis on ne les voit pas avec les bancs de neige. Je vous invite aussi à continuer à vous présenter, à nous interpeller, en quelque sorte à mettre une certaine pression, mais aussi à vous conscientiser comme citoyen. Fait que vous êtes toujours le bienvenu. Continuez de m'écrire, continuez de nous écrire. C'est comme ça qu'on fait avancer les dossiers, quand même que moi, j'en parlerai tout seul dans mon coin. C'est pas suffisant. C'est bien. Je connais les besoins et vos attentes, mais c'est pas suffisant. Alors, continuez de nous en parler, de nous interpeller. Alors, je souhaite une bonne soirée et un beau mois d'avril avec les beaux jours qui s'annoncent. Merci. Au point 4, dépôt du certificat du résultat de la procédure d'enregistrement, règlement 940-23. Oui, donc conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, la greffière dépose au conseil municipal le certificat des résultats de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement 940-23, règlement d'emprunt, trame verte et bleue, acquisition de terrain et aménagement des sentiers. Il y a eu une tenue de registre, pas eu de signature. Donc voilà, au niveau du dépôt. Merci. Ça n'a pas besoin de vote compte tenu que c'est un dépôt. Merci. Au point 5, adoption des comptes du mois d'avril 2023. Oui, qui propose? Je propose. Oui, donc sur la proposition de Guillaume Plamondon, il est résolu de recevoir les comptes produits en date du 11 avril 2023 au montant de 570 514,29 d'autoriser le paiement des montants associés au bordereau ci-dessous. Je vous épargne la lecture de chacun là, des bordereaux compte tenu qu'il y a plusieurs pages. Et d'autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les documents afférents. Je demanderai le vote. Je suis pour. 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 Je suis pour. Merci. Au point 6, autorisation de travaux, réfection ponctuelle sur l'avenue Sainte-Brigitte-Nord. Qui propose? Je propose. Est-ce que vous vouliez expliquer davantage? Oui, je peux expliquer un petit peu. Bon, vous le savez, justement, je l'ai mentionné d'entrée de jeu, que nos routes ont besoin d'un petit peu d'amour. C'est pas avant 2024. Bon, on a amorcé, bien entendu, les différents plans et devis pour justement la réfection de l'avenue Sainte-Brigitte. Bon, vous n'êtes pas sans noter qu'au nord, ça brasse un petit peu. On est vraiment dans la période où ça creuse des petits trous. On avait justement débloqué un certain budget, si je ne me trompe pas, aux alentours de 50 000 $ le dernier coup pour faire un peu des plasteurs, du patchage. Bien, ça a quand même fait un petit peu le travail. Il y a certaines sections qui ne sont pas trop désagrégées cette année. Donc, on va remettre un 70 000 à l'intérieur de ce montant-là, encore une fois, pour la réfection. Donc, ça va être vraiment d'autoriser des travaux de correction sur des sections problématiques qui vont être soulevées. Donc, ça va redonner encore une fois un petit peu d'amour, protection des véhicules, bien entendu, puis bon, éviter que tout se désagrège un petit peu rapidement. Donc, je propose, j'en demande le vote.
Donc, considérant qu'à l'été 2022, des travaux de réfection et de resurfage ponctuels ont été effectués sur la Mucine Brigitte-Nord afin de maintenir son état, considérant qu'afin de limiter la détérioration, une opération similaire est nécessaire de manière à entretenir minimalement la chaussée jusqu'au moment où une réfection complète sera effectuée, sur la proposition de Mathieu Thomassin, il est résolu d'autoriser la réalisation des travaux de correction sur des sections problématiques de l'avenue de Sainte-Brigitte au nord pour un montant de 70 000 $ et de financer ceci par le règlement d'emprunt 870-20, d'autoriser la mairesse, le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer les documents afférents. Je demanderai aux élus de voter. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Merci. Au point 7, autorisation de paiement pour le transport de neige. Qui propose? Je propose. En fait, j'ai expliqué rapidement, c'est qu'ici, lorsqu'on ramasse la neige, on doit l'envoyer directement dans des dépôts en neige qui sont à l'extérieur de la ville de Sainte-Brigitte. Donc, entre la mi-février et le début du mois de mars, on a eu justement à transférer de la neige dans les dépôts en neige pour un montant de 57 525 $ et 48 sous. Donc, considérant que le service des travaux publics a dû procéder à des opérations de transport de neige à différents endroits sur le territoire, et ce, à la mi-février et au début du mois de mars 2023, considérant que la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval doit se conformer à la réglementation sur la disposition des neiges usées en transportant la neige dans un site de dépôt autorisé par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, considérant la recommandation de la directrice du service des finances sur la proposition de Guillaume Plamondon, il est résolu d'autoriser le paiement des factures de transport de neige au montant total de 57 525 et 48 à l'Association des transporteurs en vrac de Montmorency, Inc., d'autoriser la mairesse, le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer tous les documents afférents. Je demanderai aux élus de voter. Je suis pour. Je suis pour. 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 Je suis pour. Merci. Au point 8, adoption du procès-verbal de la séance du 21 mars 2023. Oui, qui propose? Je propose Raymond Fortin. Donc, sur la proposition de Simon Saint-Hilaire, il est résolu d'adopter et de signer le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mars 2023 et d'autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents. Je demanderai le vote. Je suis pour. Je suis pour. 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 Je suis pour. Merci. Au point 9, demande au ministère de la Culture et des Communications concernant les bâtiments patrimoniaux. Qui propose? Je vais proposer. Je vais même le lire pour votre gouverne, Mme Fortin, Maître Fortin. Considérant que le patrimoine est une richesse collective et que sa préservation est une responsabilité qui se doit d'être concertée et assumée collectivement par l'ensemble des intervenants, le gouvernement, les autorités municipales et les citoyens, incluant les citoyens corporatifs, considérant les efforts considérables entrepris récemment par le gouvernement du Québec et les municipalités sur le plan légal et financier afin de favoriser une meilleure préservation et restauration du patrimoine bâti du Québec, considérant que le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier contribue indéniablement à favoriser l'accessibilité sociale de nouvelles contraintes réglementaires grandement bénéfiques à la sauvegarde de ce patrimoine, considérant les impacts majeurs d'un refus d'assurabilité pour les propriétaires de biens anciens, considérant que les actions des assureurs contribuent à décourager les propriétaires de biens anciens de les conserver et à de nouveaux acheteurs potentiels d'en faire l'acquisition et, par conséquent, contribue à la dévalorisation du patrimoine mettant en péril sa sauvegarde, considérant que les actions des assureurs compromettent celles en lien avec les nouvelles orientations du gouvernement et des municipalités pour la mise en place d'outils d'identification et de gestion de ce patrimoine, sur la proposition de moi-même, Simon Saint-Hilaire, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval demande au gouvernement du Québec d'intervenir auprès du gouvernement du Québec et des autorités compétentes pour trouver rapidement des solutions afin de garantir, à coût raisonnable, l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux, et cela, peu importe l'âge du bâtiment ou d'une composante, l'édification du bâtiment et à un inventaire, son statut, sa localisation au zonage et sa soumission à des règlements visant à en préserver les caractéristiques. Que la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval demande à l'ensemble des MRC et des municipalités du Québec, ainsi qu'aux intervenants en protection du patrimoine québécois, de joindre leur voix en adoptant cette résolution. Que la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval transmette la présente résolution au gouvernement du Québec, au ministère de la Culture et des Communications, au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation,
aux députés fédéraux et provinciaux du territoire, aux municipalités de la MRC du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec, aux amis et propriétaires des maisons anciennes du Québec, des municipalités du Québec, des amis et propriétaires APAMQ, à Héritage Montréal et à l'Ordre des urbanismes du Québec, à l'Ordre des architectes du Québec, au Bureau d'assurance du Canada, au regroupement des cabinets de courtage d'assurance du Québec, la RCACAQ, à M. Gérard Baudet, professeur titulaire Université de Montréal, et Jean-François Nadeau, journaliste au Devoir. Je demanderai aux élus de voter. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Je vais être pour et jamais, si vous voulez justement avoir un genre de reportage qui parle un peu de ça, la facture a fait quelque chose de très bien. Donc, aux alentours du 18 janvier, plus difficile que jamais d'assurer une maison patrimoniale. Si vous voulez voir exactement ce que des citoyens vivent présentement avec ce qui a été répertorié à la MRC, que ce soit pour rénovation ou lorsqu'il y a une vente, c'est un topo qui est très complet. Donc, je réitère, je suis pour. C'est un peu la même chose. Il faut faire tout de même bien attention de ne pas menotter les propriétaires de ce type de propriété-là. Alors, je suis pour. Merci. Au point 10, adjudication de contrat, achat de matériel informatique, INV 2023-05. Qui propose? Je propose. Oui. Donc, considérant que l'appel d'offres sur invitation INV 2023-05 pour l'achat de matériel informatique a été demandé le 3 mars 2023, considérant que les dispositions du règlement 865-19, règlement de gestion contractuelle, sont respectées, considérant que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 20 mars 2023, considérant que nous avons reçu qu'une seule soumission, soit celle de l'entreprise BZ Inc. au montant de 12 729 avant les taxes applicables, considérant que BZ Inc. est le seul soumissionnaire, considérant la conformité du soumissionnaire, considérant la recommandation du service des finances sur la proposition de Dominique Morin, il est résolu d'adjuger un contrat à BZ Inc. pour l'achat de matériel informatique en 2023, et ce, pour un montant de 12 729 $ avant les taxes applicables, d'autoriser la mairesse, le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer tous les documents afférents et d'autoriser le paiement du montant afférent à l'adjudication de contrat à BZ Inc. selon les modalités établies par la Ville. Je demande aux élus de voter. Bien, vous voyez, c'est un contrat de gris à gris, là, selon le montant, mais par souci de transparence, nous l'avons mis en résolution, alors je vote pour. Je suis pour. Précision, il y a eu un appel d'offres, donc qui a été demandé le 3 mars, il y a eu un seul soumissionnaire. Donc, juste la petite nuance par rapport au gré à gré. Donc, je vote pour. Je vote pour aussi. Je suis pour. Merci. Au point 11, adjudication de contrat débroussaillage de fossé, INV 2023-04. Qui propose? Je propose. Donc, considérant que la Ville doit adjuger un contrat pour le débroussaillage des fossés pour l'année 2023 avec une option de renouvellement pour l'année 2024, considérant que l'appel d'offres sur invitation INV 2023-04 a été lancé le 27 février 2023 et que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 20 mars 2023, considérant que nous avons reçu qu'une seule soumission, soit celle de l'entreprise Déneigement Daniel Lachance Inc., au montant de 47 850 $ avant les taxes applicables, considérant la conformité du soumissionnaire et considérant la recommandation du service des finances sur la proposition de Dominique Morin, il est résolu d'adjuger le contrat pour le débroussaillage des fossés pour les années 2023 à 2024, et ce, pour un montant de 47 850 $ avant les taxes applicables, d'autoriser la mairesse, le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer tous les documents afférents et d'autoriser le paiement du montant afférent à l'adjudication de contrat à Déneigement Daniel Lachance Inc. selon les modalités convenues entre les parties. Je demanderai aux élus de procéder au vote. Vous voyez, pour la sécurité de nos citoyens, les bordures de rue, les coins de rue, alors c'est super important, je vote pour. Je suis pour. 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 Je suis pour. Merci. Au point 12, adjudication de contrat, achat de matériaux granulaires, SBDL 2023-05. Qui propose? Je propose. Donc, considérant que l'appel d'offres public SBDL 2023-05 pour l'acquisition de matériaux granulaires du 1er juin 2023 au 31 mai 2026 a été publié sur la plateforme SEAO le 28 février 2023 et que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 21 mars 2023, considérant les résultats obtenus, considérant que le devis d'appel d'offres prévoit que le contrat peut être adjugé par l'eau, considérant que les soumissions reçues sont conformes au devis d'appel de l'appel d'offres public SBDL 2023-05, considérant la recommandation favorable du service des finances sur la proposition de Dominique Morin, il est résolu d'adjuger le contrat pour l'acquisition de matériaux granulaires du 1er juin 2023 au 31 mai 2026, inclusivement, conformément au prix soumis mentionné ci-dessus, au bordereau de soumission et au devis de l'appel d'offres SBDL 2023-05 et en fonction des lots ci-dessous.
lot numéro 1 à Sintra Inc., lot numéro 2, Sintra Inc., lot numéro 3, Sintra Inc., lot numéro 4, Sintra Inc., lot numéro 5, Sintra Inc., lot numéro 6, aucun soumissionnaire, lot numéro 7, aucun soumissionnaire, lot numéro 8, Sintra Inc., lot numéro 9, Carrière Québec Inc., et lot numéro 10, aucun soumissionnaire, d'autoriser la mairesse, le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer tous les documents afférents et d'autoriser le paiement du montant afférent à l'adjudication de contrat à Sintra Inc. et Carrière Québec Inc. selon les modalités établies par la Ville. Je demanderai aux élus de procéder au vote. Je suis pour. 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 Je suis pour. Merci. Au point 13, adjudication de contrat, nettoyage, égout, regard, plus art, SBDL 2023-06. Qui propose? Je propose. Donc, considérant que l'appel d'offres public SBDL 2023-06 pour le nettoyage des conduits, regards et puzards du 1er avril 2023 au 31 mars 2026 a été publié sur la plateforme CEAO le 24 février 2023 et que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 13 mars 2023, considérant les résultats obtenus, considérant que le devis d'appel d'offres prévoit que le contrat peut être adjugé par l'eau, considérant que les soumissions reçues sont conformes au devis de l'appel d'offres public SBDL 2023-06, considérant la recommandation favorable du service des finances. Sur la proposition de Dominique Morin, il est résolu d'adjuger le contrat pour le nettoyage des conduites, regards et puzards du 1er avril 2023 au 31 mars 2026 inclusivement, conformément au bord de route soumission et au devis de l'appel d'offres SBDL 2023-06 en fonction des lots ci-dessous. Lot A à Sany-Orléans pour un montant de 230 $ pour le camion vacuum, 225 $ pour le camion pression et 347 $ pour le camion combiné avant les taxes. Lot B à Ortec Environnement et Services pour un montant de 22,80 $ par unité pour la pompe à succion avant les taxes. Lot C à Sany-Orléans pour un montant de 525 $ pour le camion avant les taxes. Lot D à Sany-Orléans pour un montant de 447,50 $ pour le camion combiné avant les taxes. Lot E à Ortec Environnement et Services pour un montant de 445,60 $ pour le camion hydro-excavation avant les taxes. Appel d'urgence à Sany-Orléans pour un montant de 295 $ pour le camion vacuum, 290 $ pour le camion pression et 435 $ pour le camion combiné avant les taxes. D'autoriser la mairesse, le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer tous les documents afférents et d'autoriser le paiement du montant afférent à l'adjudication de contrat à Sintra Inc. À Sany-Orléans, Ortec Environnement et Services, selon en fait les modalités établies par la Ville. Je demande aux élus de procéder au vote. Pour. 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 Je suis pour. Merci. Au point 14, adoption du règlement 943-23 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. Oui, donc qui propose? Je propose. Vas-y, vas-y. Tu proposes? On propose tous on les propose. Deux. Je propose. Donc, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du Conseil municipal du 21 mars 2023 et que le projet de règlement a été présenté et déposé à cette même séance, considérant que le règlement a été remis à chacun des membres du Conseil au moins 2 jours juridiques avant la présente séance, lesquels déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture, considérant que ce règlement était disponible pour consultation 2 jours juridiques avant la présente séance et à la disposition du public dès le début de cette séance, sur la proposition de Guillaume Plamondon, il est résolu d'adopter le règlement 943-23 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau et d'autoriser la mairesse, la greffière ou son substitut à signer les documents afférents. Je demanderai aux élus de procéder au vote. Pour. Je suis pour. 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 Je suis pour. Merci. Au point 15, adoption du règlement 944-23 relatif à la régie interne des comités. Qui propose? Je propose. Donc, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du Conseil municipal du 21 mars 2023 et que le projet de règlement a été présenté et déposé à cette même séance, considérant que le règlement a été remis à chacun des membres du Conseil au moins 2 jours juridiques avant la présente séance, lesquels déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture, considérant que ce règlement était disponible pour consultation 2 jours juridiques avant la présente séance et à la disposition du public pour consultation dès le début de cette séance, sur la proposition de Guillaume Plamondon, il est résolu d'adopter le règlement 944-23 relatif à la régie interne des comités et d'autoriser la mairesse, la greffière et son substitut à signer les documents afférents. Je demanderai aux élus de voter. Pour. Je suis pour. 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 Je suis pour. Merci. Au point 16, adoption de la nouvelle politique définissant les critères d'admissibilité au programme d'aide à la communauté. Qui propose?
Je propose. Nous avons refait un constat pour essayer de favoriser, mais bien faire le lien avec ce que les associations, les organismes avaient fait comme travail pour proposer et amener les grandes lignes et définir le plan politique famille aînée. Que je remercie aussi mon collègue ici à la table, Denis Morin, d'avoir participé de façon très active. Un beau document qui maintenant qui est mis, oui, au service des citoyens, mais surtout qu'on peut en faire une relation directe dans cette politique-là, qu'on peut maintenant s'appuyer et faire en sorte que les organismes qui vont se retrouver puis vont être capables d'avancer et continuer à les aider à la hauteur de leur demande, bien sûr. C'est un bon travail de ce côté-là, donc je voulais le souligner. Donc, considérant que la Ville souhaite mettre à jour sa politique définissant les critères d'admissibilité au programme d'aide à la communauté, ainsi que tous les documents afférents, donc grille d'analyse, rapport final, formulaire de demande d'aide financière, sur la proposition de Simon Saint-Hilaire, il est résolu d'adopter la politique définissant les critères d'admissibilité au programme d'aide à la communauté, ainsi que tous les documents afférents, dont la grille d'analyse, rapport final, formulaire de demande d'aide financière, et d'autoriser la mairesse et le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer tous les documents afférents. Je demanderai aux élus de voter. Je suis pour. C'est un très bon travail qui a été effectué de la part de mes collègues ainsi que les gens à la ville au loisir, donc je suis pour. 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 Sans hésitation, je suis pour et je félicite tout le monde d'y avoir participé. Ça va valoriser nos organismes, les gens qui veulent s'impliquer. Puis c'est très important parce que souvent, c'est un travail qui est effectué à faible coût, qui souvent même par du bénévolat, fait en sorte que nous, à la ville, on ne serait pas capable de fournir ce service-là autrement. Merci. Au point 17, appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2023-2024. Qui propose? Je propose. Bien sûr, la bibliothèque aura besoin d'aide pour renouveler leur flotte de livres puis continuer à notre partage de culture du savoir. Alors, cette aide financière-là est directe en conséquence d'eux. Donc, considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval autorise le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes, BPA, pour l'exercice des années 2023 et 2024 du ministère de la Culture et des Communications, considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval signera une convention avec le MCC, qui se trouve à être le ministère de la Culture et des Communications, concernant une aide financière octroyée dans le cadre du programme Développement des collections des bibliothèques publiques autonomes, sur la proposition de Simon Saint-Hilaire, il est résolu d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour l'exercice des années 2023 et 2024 du ministère de la Culture et des Communications, d'autoriser la directrice du service des loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire, Mme Nathalie Gagnon, à agir à titre de mandataire dans le dépôt de la demande d'aide financière du dit projet auprès du MCC, et d'autoriser la mairesse, le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer tous les documents afférents. Je demanderai aux élus de voter. Je suis pour. Je suis pour. Pour, en fait, bibliothèque, ça fait partie intégrante des éléments de qualité de vie dans une ville. Donc, je pense que si est-ce qu'on en ait une nouvelle, en souhaitant que ça se fasse, eh bien, je vote pour. Je vote pour. La moindre des choses, je suis pour. Merci. Au point 18, autorisation de création et de mise sur pied d'un comité de suivi du plan d'action de la politique famille aînée. Qui propose? Je propose. Donc, considérant l'adoption de la politique de la famille et des aînés de son plan d'action en septembre 2022, considérant que le comité de suivi aura notamment comme mandat de suivre et de soutenir la réalisation des actions lors du processus de mise en œuvre de cette politique, sur la proposition de Simon Saint-Hilaire, il est résolu d'autoriser la création et la mise sur pied d'un comité de suivi qui aura comme mandat de suivre et de soutenir la réalisation des actions lors du processus de mise en œuvre dans le cadre de la politique famille aînée, de nommer les membres suivants afin qu'ils siègent sur ce comité à titre de membre à compter du 13 avril 2023. Donc, les membres et leurs sièges sont les suivants. Dominique Morin, élu représentant conseiller municipal de la Ville. Nathalie Gagnon, responsable administratif représentant directrice des loisirs de la Ville. Sabrina Thomassin, loisirs communautaires, à titre de coordonnatrice à la vie communautaire et responsable de la bibliothèque municipale. Stéphane Garneau, au siège d'organismes publics, représentant organisateur communautaire du CIUS 3S. Michel Després, organiste communautaire représentant du Club de l'Âge d'or. Jacinthe Chapados, siège organisme communautaire en représentant le Club Lyon. Daniel Thomassin, organisme communautaire et privé qui représente la communauté chrétienne de Sainte-Brigitte-de-Laval et la résidence Le Trèfle d'or. Maud Desmond, organisme communautaire représentant les matinées Frimousse. Émilie Carrier,
Au siège d'organismes communautaires représentant la Maison des jeunes, France Saint-Hilaire, organisme communautaire qui représente le Cercle des fermières, Natacha Côté, organisme communautaire qui représente le Club de soccer SBDL, et Marie-Ève Thomasson, organisme communautaire qui représente Centre Famille et Aide alimentaire, et d'autoriser la mairesse et le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer les documents afférents. Je demanderai aux élus de voter. Je suis content d'avoir eu qu'on a pu énumérer toutes cette personne-là qui s'implique là, à titre de bénévole dans ce comité-là. Aussi le collègue Dominique Morin qui s'implique depuis le départ dans la politique famille aînée. Maintenant, on a une belle politique, il faut l'appliquer, il faut être capable de voir son application sur le terrain. Alors, voici le comité et ses objectifs. Alors, très bonne initiative. On a bien hâte d'en voir les résultats. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Beaucoup de noms des organismes communautaires, hein, vous le savez, c'est du temps. Donc, chapeau à ces gens-là, je suis pour. Merci d'être là et je suis pour. Merci. Au point 19, modification à la résolution numéro 106-03-2023 portant sur une demande d'assistance financière pour le projet de balado-diffusion de la Société d'histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval. Qui propose? Je vais proposer. Donc, considérant que la résolution 106-03-2023 portant sur une demande d'assistance financière dans le cadre du programme d'aide à la communauté et projet de balado-diffusion de la Société d'histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval a été adoptée à la séance du 21 mars 2023, considérant qu'il y a lieu de modifier la résolution afin que le montant de la subvention soit pris dans l'enveloppe budgétaire pour des projets en lien avec le 160e anniversaire de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, sur la proposition de Charles Morissette, il est résolu de modifier la résolution 106-023-2023 afin que le montant accordé de 1215,11 à l'organisme la Société d'histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval soit pris dans l'enveloppe budgétaire pour des projets en lien avec le 160e anniversaire et d'autoriser la mairesse et le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer tous les documents afférents. Je demanderai aux élus de procéder au vote. Monsieur Charles Morissette, district 5, remis l'église au milieu du village. Alors, excellente proposition, Monsieur Morissette. Et puis, on en a parlé la semaine passée, là, ça va être excellent pour notre patrimoine et notre visibilité. Alors, je vote pour. C'est un excellent projet, je suis pour. 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 Je, sans trop faire mon divulgateur, je peux juste vous dire que ça va être magnifique, c'est un magnifique projet. Je vais laisser la Société d'histoire s'annoncer, se prononcer sur leurs affaires, mais c'est vraiment, vraiment un beau projet. À très faible coût par rapport à ce qu'on va avoir comme produit. Et alors, je suis évidemment pour. Merci. Au point 20, demande d'exemption de cases de stationnement au 418 Avenue Sainte-Brigitte. Qui propose? Je propose. Donc, considérant la demande d'exemption de 6 cases de stationnement reçue le 15 mars 2023 pour le 418 Avenue Sainte-Brigitte, considérant que la présente demande d'exemption fait suite au dépôt d'une demande de certificat d'occupation afin d'autoriser un nouveau bar laitier de crèmerie, en fait, dans le dernier local vacant du bâtiment situé au 418 Avenue Sainte-Brigitte, considérant qu'en vertu de l'article 12.12.3 du règlement zonage 455-04, le conseil municipal peut exempter le demandeur de fournir des cases de stationnement hors rue exigées par le règlement lors de tout projet de construction, de transformation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiment, ainsi qu'à tout projet de changement d'usage ou de destination en tout ou en partie d'un bâtiment lorsqu'il est impossible pour le requérant de fournir le nombre de cases requis pour le site et ce, en contrepartie d'un montant payable à la Ville. Considérant que l'application de la réglementation cause un préjudice aux requérants qui désirent ouvrir un nouveau commerce dans le noyau villageois, sur la proposition de Charles Morissette, il est résolu d'accepter la demande d'exemption afin de permettre l'achat de 6 cases de stationnement au montant de 12 500, d'aviser le propriétaire du 418 Avenue Sainte-Brigitte que les sommes payées seront non remboursables, de réserver cette somme dans un fonds de stationnement créé à cette fin particulière et d'autoriser la mairesse, le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer tous les documents afférents. Je demanderai aux élus de procéder au vote. On ne veut pas étouffer nos commerçants, surtout nos noyaux villageois. On veut quand même que ça se développe, qu'on continue à en mettre de plus en plus. Alors, initiative que j'appuie et je suis pour. Un nouveau commerce dans notre noyau villageois, comment être contre? Je suis pour. Pour. Je suis pour aussi. Je ne vous cacherai pas que c'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde dans un de ces quatre. Hein. On veut justement avoir un noyau qui est actif. On veut attirer des gens. On ne veut pas non plus nécessairement les étouffer avec des différentes contraintes qui... ne sont pas nécessairement évidentes avec ce qu'on a présentement au cœur du noyau villageois en offre de stationnement. Donc, je suis pour. Bien, je suis pour. Dynamiser notre cœur villageois, c'est merveilleux. Encore là, bien, oui, ça prend de l'espace de stationnement. Il faut juste faire la nuance. L'exemption
On ne peut pas faire pousser des stationnements. Là. Le commerce est déjà là. On ne fera certainement pas un stationnement à étage. Là. Il n'y en a pas question. Alors, bien, la façon, comme ça se fait dans plusieurs villes, c'est de le promoteur, il paie pour des espaces de stationnement qui seront redistribués pour justement que la ville, éventuellement, on définisse des stationnements. Puis, c'est des terrains, bon, des terrains qui peuvent être achetés ou à la ville. Donc, ça a un coût, ça, juste faire le stationnement. Ces sous-là qui sont déposés, bon, vont servir éventuellement à l'élaboration de nouveaux stationnements pour la ville, pour autant les visiteurs que les citoyens. Merci. Au point 21, reconduction de l'entente avec l'École nationale des pompiers du Québec, ENPQ. Qui propose? Je propose. Donc, considérant que la Ville a une entente avec l'École nationale des pompiers du Québec renouvelable annuellement pour donner la formation reconnue en vertu de l'article 52 de la Loi sur la sécurité incendie aux pompiers non formés dans les matières suivantes, pompier 1, pompier 2, désincarcération, opérateur d'autopompe, désincarcération hors programme, opération de véhicule d'élévation, matière dangereuse, sensibilisation hors programme, matière dangereuse, opération hors programme, autosauvetage hors programme, sécurité des véhicules électriques, hybrides et à pile à combustible, utilisation du feu vert clignotant. Donc, considérant que cette entente sera valide du 1er juillet 2023 au 28 juin 2024, oui, sur la proposition de Guillaume Plamondon, il est résolu d'autoriser le renouvellement de l'entente avec l'École nationale des pompiers du Québec et dont la durée est du 1er juillet 2023 au 28 juin 2024, d'autoriser le directeur du service de la sécurité publique, M. Moïse Maillé, à signer l'entente avec l'École nationale des pompiers du Québec. Je demanderai aux élus de voter. Je suis pour. Je suis pour. 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 Je suis pour. Merci. Au point 22, confirmation d'adhésion à la solution des regroupements en assurance collective de l'UMQ, regroupement Québec, Beauce, Portneuf, Mauricie, Laurentides et Outaouais. Qui propose? Je propose. Donc, considérant que conformément à la loi sur les cités et villes et à la solution UMQ, la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval souhaite autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour obtenir des produits d'assurance collective pour ses employés et, lorsqu'applicable, pour ses élus pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. Considérant que Mallette Actuaire Inc. s'est déjà vu octroyer le mandat à la suite d'un appel d'offres public pour les services de consultation indépendants requis par l'Union des municipalités du Québec dans l'application de la solution UMQ, considérant que la rémunération prévue au contrat solution UMQ à octroyer est de 0,65 % au consultant Mallette Actuaire Inc. et les frais de gestion prévus pour l'UMQ sont de 1,15 %, considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval souhaite maintenant confirmer son adhésion à la solution des regroupements en assurance collective de l'UMQ et le mandat à Mallette Actuaire Inc. en conséquence, sur la proposition de Mathieu Thomassin, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme ci récité au long, de confirmer par les présentes son adhésion à la solution UMQ en matière d'assurance collective pour ses employés et ou élus au choix de la municipalité, que l'adhésion au regroupement solution UMQ sera d'une durée maximale de 5 ans, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval mandate l'UMQ pour agir à titre de mandataire pour la représenter au contrat d'assurance collective à octroyer à la suite de l'application des présentes ainsi que son renouvellement, de même que pour l'accès à son dossier d'assurance collective auprès de l'assureur dans le respect des règles de protection des renseignements personnels, que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval s'engage à payer à l'UMQ des frais de gestion de 1,15 % des primes totales versées par la Ville, municipalité, MRC, régie, autres, durant le contrat, il y a une rémunération de 0,65 % des primes totales versées par la municipalité au consultant Mallette Actuaire Inc., dont la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval joint aussi le mandat obtenu pour le regroupement à la suite d'un appel d'offres public, que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval s'engage à respecter les termes et conditions du contrat à intervenir avec la société d'assurance à qui le contrat sera octroyé à la suite de l'application des présentes ainsi que les conditions du mandat au consultant, et d'autoriser la mairesse, le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer les documents afférents. Je demanderai aux élus de procéder au vote. Je suis pour. L'union fait la force, je suis pour. Effectivement, donc lorsqu'on parle justement d'être regroupé avec l'UMQ, c'est qu'il y a justement des avantages. Alors, je suis pour. Je suis pour. Merci. Au point 23, renouvellement de la tarification du régime d'assurance collective des pompiers à temps partiel pour 2023-2024. Qui propose? Je propose. Donc, considérant le renouvellement de la tarification du régime d'assurance collective des pompiers à temps partiel pour l'année 2023-2024 est prévu le 1er mai 2023,
considérant l'analyse du renouvellement de la tarification réalisée par AGA Assurance Collective afin de s'assurer que nous payons les meilleures primes sur le marché, considérant les économies à réaliser, considérant que cette entente sera valide du 1er mai 2023 au 31 mars 2024, sur la proposition de Mathieu Thomassin, il est résolu que le préambule fasse partie intégrale de la résolution d'accepter la proposition de notre assureur Canada Vie pour la période du 1er mai 2023 au 31 mars 2024 d'autoriser le renouvellement de la tarification du régime d'assurance collective avec notre assureur Canada Vie, et ce, pour la période du 1er mai 2023 au 31 mars 2024, et d'autoriser la directrice générale adjointe à signer l'entente. Je demanderai aux élus de procéder au vote. Pour. Pour. Il y a un avantage avec celle-ci. Donc, on a une diminution du coût de la prime de l'ordre de 39,3 %, ce qui est très positif. Je suis pour. On sauve des sous. Je ne peux pas être contre ça. Je suis pour. Merci. Au point 24, embauche de 5 responsables pour le programme de camp d'été, de camp de jour de l'été 2023. C'est ça. Qui propose? Je propose. Donc, considérant que le service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire propose aux citoyens des camps de jour s'adressant aux enfants de 5 à 14 ans durant la période estivale, soit du 26 juin au 11 août 2023, considérant que la branche de 5 responsables va permettre d'assurer un bon déroulement des activités du camp régulier se déroulant aux écoles le Trivant 2 et le Trivant 1 et au camp spécialisé au bâtiment des Saphirs, considérant que ces embauches vont nous permettre d'assurer la bonne gestion et supervision des ressources humaines nécessaires au camp de jour, sur la proposition de Mathieu Thomassin, il est résolu de procéder à l'embauche de Noémie Landry, Annabelle Grenon, Mia Huot, Laurence Garneau et Caroline Duguay au poste de responsable du camp de jour régulier 2023, afin d'assurer le bon déroulement des activités du camp régulier se déroulant aux écoles le Trivant 1 et 2 et au camp spécialisé qui se déroule au bâtiment des Saphirs. D'autoriser la mairesse, le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer tous les documents afférents, je demanderai aux élus de voter. Quand même un programme fort pour la ville de Sainte-Brigitte et son camp des petits actifs. Merci Noémie, Annabelle, Mia, Laurence, Caroline, des gens qui sont avec le camp quand même depuis plusieurs années. Votre implication est fortement appréciée. Donc ça fait en sorte que nos étés... sont agréables pour tout le monde et qu'on peut évoluer à travers les congés et naviguer à travers tout ça. Je vote pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Bienvenue encore une fois. Un retour, c'est toujours bien. On est vraiment chanceux de compter là, sur vous avec l'expérience que vous avez. Et en plus, ça demeure à Sainte-Brigitte. Oui. Ben, je vais dans le même sens que mes collègues. Je suis tout à fait pour. Merci. On va passer à la période des questions. Est-ce qu'on a eu des questions par le email? Non, en fait, aucune question en ligne et concernant là, un retour sur les questions, ben, en fait, tous les questionnements des précédentes séances sont à jour, donc on n'a pas non plus de suivi à faire là, à ce niveau-là. Merci. Pour ceux qui sont en salle, si vous avez des questions, vous présentez, vous donnez votre adresse, ça va me faire plaisir de vous répondre. Bonsoir. Bonsoir. Madame la mairesse, monsieur les conseillers, les membres de la direction, Carl Thomassin, 3 rue Richelieu. En fait, ma question s'adresse à vous, madame la mairesse. J'ai consulté le procès-verbal du 14 février 2023. Dans ce procès-verbal-là, il y a un compte, dans la section des comptes, il y a un montant de 1121,62 qui a été versé à un monsieur Carl Tremblay. Je voudrais savoir si ce monsieur Carl Tremblay-là est bien le conseiller qui a siégé un mois ici à la ville de Sainte-Brigitte. Et deux, c'est quoi ce montant d'argent-là? Je vais répondre que oui, c'est un monsieur qui était ici comme élu. Et puis, pour la question, vu que c'est juridique, je vais demander à Kim de vous répondre. Même si la question est posée à moi, je n'ai pas le droit de répondre. Bien, Madame la mairesse, c'est un procès-verbal. Il a été adopté, c'est public, ce n'est plus juridique. Bien, c'est... Vous avez, Madame la mairesse, et Madame la greffière le dit, après chaque résolution, vous avez autorisé, j'autorise la mairesse, le directeur général ou la directrice générale adjointe, à signer les documents afférents. Vous avez signé le veto, vous avez signé le procès-verbal. Vous êtes au courant de ce dossier-là, Madame la mairesse. Je veux vous entendre.
Si j'ai besoin de savoir une information, si je veux... Je vais vous répondre. Oui, si je veux avoir... Je vais juste terminer ma phrase. Oui. Si je veux avoir une information de la direction, je vais écrire à la direction. Merci. Je vous écoute. C'est une réclamation qu'il y a eu parce qu'il y a eu un accident sur ses voitures et puis il a fait une réclamation. Pardon, c'est une réclamation? Une réclamation d'un accident qu'il y a eu sur ses voitures. OK. De nos, de nos employés, dans le fond. OK. Merci, Mme la mairesse. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom, c'est Yves Lévesque de la rue La Branche. C'est le 65. C'est concernant les travaux de réfection futurs à venir sur l'avenue Sainte-Brigitte-Nord. Oui. Bon, je sais qu'il y a une section aussi de l'avenue La Branche qui va être faite aussi. Mon souci que j'ai, c'est, comment je pourrais dire, l'installation de l'aqueduc. OK. Bien, là, présentement, c'est encore en étude. Okay. Fait qu'on n'est pas rendu tout à fait là, à ce moment-là. On va pouvoir décrire là, les travaux quand on va avoir eu le résultat des études. OK. Parce que ce qui m'inquiète un peu, c'est ça. Je suis parti dans ce coin-là pour ne pas avoir de l'aqueduc. OK. Parfait. Bien, vous allez pouvoir suivre les dossiers. Dans le fond, on va en parler au fur et à mesure que les études vont avancer. Bon. OK. On va regarder ça. Parfait. Ça va nous faire plaisir. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bonsoir. Excusez, j'ai une petite... chat dans la gorge. Donc, Christian Paquette, 38 rue Saint-Antoine. Au dernier conseil, je vous avais posé une question, à savoir le plan d'urbanisme. Oui. Est-ce qu'on va voir la fin de tout ça bientôt? Vous étiez empressée, Mme Fortier, de me répondre qu'elle allait être adoptée, mais je ne le vois pas sur l'ordre du jour aujourd'hui. Alors, qu'en est-il? C'est ça qu'on a dit, c'est dans les prochaines séances. Dans le fond, il reste quelques mises au point pour les PPU qu'il faut finir de d'écrire les règlements, dans le fond. Et bien, pas les règlements, il faut finir les PPU. À ce moment-là, on va pouvoir les... s'en vient bientôt. Est-ce qu'on sait? Est-ce que c'est vous qui planifiez ça? J'imagine que c'est mois de juin, mois de juillet, mois d'août. Non, ça je vais pouvoir avoir des abeilles dans ma cour cet été. Ça devrait être dans les prochains mois. Dans les prochains mois? Oui. Avant l'automne? Oui, oui, oui. Oui, bien, parfait. Merci. 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 Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, je vais demander la levée de la séance. Pour. 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 Je suis pour. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne fin de soirée.